Cite la fille du notable Eugéry, la femme qui souffrait d'hémorragie. Lève-toi donc de ton tombeau, mon frère, ma soeur, reviens. Crois en Jésus-Christ et tu vivras. Talita cum, réveille-toi, toi qui dors. La Bienheureuse Vierge, prédestinée de toute éternité, à l'intérieur du dessein d'incarnation du Verbe, pour être la Mère de Dieu, fut sur la terre, en vertu d'une disposition de la Providence divine, la Vénérable Mère du Divin Rédempteur, généreusement associée à son œuvre à un titre absolument unique, humble servante du Seigneur, en concevant le Christ. En le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix, elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue, pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Ah, le père de Montfort, il ne savait sans doute pas, quand il écrivait le traité de la vraie dévotion, qu'il le faisait sous l'inspiration directe du Saint-Esprit. Disait Marthe Robin, qui le portait en très haute estime, le traité de la vraie dévotion a connu une postérité extraordinaire et sa première phrase est comme une prophétie et un programme, c'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Marie n'a presque pas point paru dans le premier avènement de Jésus-Christ, afin que les hommes, encore peu instruit et éclairé sur la personne de son Fils, ne s'éloignasse de la vérité, en s'attachant trop fortement et trop grossièrement à elle, ce qui apparemment serait arrivé si elle avait été connue, à cause des charmes admirables que le Très-Haut avait mis en son extérieur. Mais dans le second avènement du Christ, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit afin de faire part, elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ, les raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son épouse pendant sa vie, et à ne la révéler que bien peu depuis la prédication de l'Évangile, ne subsistant plus. Si donc, comme il est certain, la connaissance et le règne de Jésus-Christ arrivent dans le monde, ce ne sera qu'une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la très Sainte Vierge Marie, qui l'a mis au monde la première fois, et le fera éclater la seconde. Marie, Vierge, se montra obéissante en disant, « Voici ta servant, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ève, au contraire, avait été désobéissante, elle avait désobéi alors qu'elle était encore vierge. De même, donc, qu'Ève, en désobéissant, devint cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain. De même Marie devint, en obéissant,
cause de salut pour elle-même et pour tout le genre humain. Car ce qui a été lié ne peut être délié que si l'on refait en sens inverse les boucles du nœud. Ainsi, le nœud de la désobéissance d'Ève a été dénoué par l'obéissance de Marie, car ce que la Vierge Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié par sa foi. Ô homme, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde te sens emporté à la dérive parmi les orages et les tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cette étoile. Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand tu vas droit sur les récifs de l'adversité, regarde l'étoile, appelle Marie. Si l'orgueil, l'ambition, la jalousie te roulent dans leur vague, regarde l'étoile, crie vers Marie. Si la colère ou la va, rice, si les sortilèges de la chair secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie. Quand, tourmenté par l'énormité de tes fautes, honteux des souillures de ta conscience, terrorisé par la menace du jugement, tu te laisses happer par le gouffre de la tristesse, par l'abîme du désespoir, pense à Marie, dans les périls, les angoisses,